La couleur jaune en ce moment est présente, oui, c'est vrai. Et c'est sans doute lié à mon regard sur une certaine peinture à un moment donné de l'histoire, celle de Van Gogh, aujourd'hui celle de Gauguin. Cette couleur jaune, elle est évidemment très symbolique. C'est le soleil, c'est l'or, c'est bon, le blé, etc. Enfin, dans mon esprit, elle intervient surtout sur ces points-là, hein, sur des symboles liés, qui sont solaires, qui sont liés à l'économie aussi, voilà. Moriseless, c'est une absurdité. C'est une absurdité économique, sociale, politique. Mais je considère qu'elle est active dans le moment qu'on vit et qu'on traverse en ce moment, dans la période qu'on traverse. Non, mais un des enjeux de ce travail, comme je l'ai dit, c'était d'un côté l'histoire d'une chaise qui tombe par terre, qui tombe au sol et qui module ce sol, le sol reprend l'onde de choc, et de l'autre côté cette référence au tableau de Gauguin. Et ce que je souhaitais, c'était que quand le spectateur ou le visiteur rentrera dans l'espace, parce qu'on pourrait y rentrer, il aura l'impression de rentrer dans une peinture. L'enjeu n'est pas de faire une reproduction de l'œuvre de Gauguin, c'est pas du tout ça. Ce que je voulais, c'était juste en retranscrire les grandes lignes. Et dans mon travail, j'ai jamais fait de. Je ne fais pas vraiment comment dire, de référence pure et dure, vous voyez. Je préfère l'allusion. Donc ce sera une allusion. Mais par contre, une réelle peinture. Donc je veux qu'on rentre dans un espace haptique, d'une certaine façon, et qui nous. Enfin, où nos sens seraient actifs. Tout l'enjeu. C'est d'essayer de retranscrire des affects peints comme ça dans l'espace pour que le visiteur, en arrivant, se dise pas, tiens, je rentre dans un environnement design ou ultra lisse. Ici, dans le cas présent, ce n'est pas, on est dans le rugueux, on n'est pas dans le lisse. Voilà. Et ça aussi, pour moi, c'est politique. C'est-à-dire que on n'est plus dans un espace comme ça qui est immatériel, on est dans un espace très matériel. Il y a très peu de choses hein, dans cet espace-là, finalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un sachet de pain, un emballage et une chaise qui sera posée au sol et un pied au mur. C'est tout. Hein. Et l'enjeu, c'est qu'avec cet accident du quotidien, finalement, on ressente. À travers la petite histoire, on y retrouve une grande histoire.